Ceci explique pourquoi j'ai une voix de canard. Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur Lumber Island, un jeu d'horreur que j'ai trouvé sur Desura, hein, le sort de Steam des jeux indépendants. Ok, putain ça commence bien bordel. Ah, on a une petite lampe torche quand même avec nous. Qu'est-ce que ça fait si on remplace cette cette bande sonore par genre un chant de matelot? Toute l'ambiance est changée. Chapitre 1, la lettre. Bon alors pour le moment ça a l'air d'être... Putain d'oiseau. Droite ou gauche? Allez, on va à droite, c'est parti! Allez, c'est ici la grosse soirée ou quoi? Dites-moi tout! Lockhead, on va regarder ce qu'il y a dedans. En mode pédobia! Et si j'éteins la lumière, est-ce qu'on se chie littéralement dessus? Dis donc, j'avais pas vu ça! De toute manière, si quelqu'un vient, je lui ferai peur avec ma voix de canard! Un nounours! Ok, donc on a un nounours avec nous. Ça a l'air plutôt bien. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Oh, j'ai assis le nounours. Ok, qui c'est? Parce que t'as fait une chicha avec tes copains nounours. C'est ça? C'est ça qui vient de se passer? Je peux pas le reprendre, non? Ok, très bien, tout va bien. Bon, et bah ok, et bah je me casse. On va essayer de retourner dans la maison, voir s'il y a pas un truc. Hey gros, je viens pour la soirée. Tu m'avais dit de ramener des granolas. J'ai ramené des granolas. Tu me laisses pas rentrer, espèce de débile. Est-ce que ça sent mauvais pour nous? Oui, oui, c'est normal. Ah, voilà. Une maison rassurante. Donc c'est juste une sorte de squat. What the fuck. Ok, mon jeu a crashé, je me retrouve dans la barque de nouveau. Sauf que j'ai ramassé un téléphone avec une superbe photo de vacances. Je ne sais pas. Bon, je pense qu'après on va aller à gauche direct en mode balestec. What? Il faut qu'il se calme lui, il va se prendre une longue vitre. D'ailleurs, il y a pas longtemps, il y avait un trou dans la vitre de mon salon. Bah c'était peut-être cet oiseau finalement, hein. I eat, je sais pas ce que c'est eat. J'ai nanana ses chaussures, il va être énervé. Très bien, de qui tu parles? De ton pote le Tazzy. Tu crois qu'il me fait peur ton pote nounours? Bon, en tout cas, on va aller vers là-bas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La population de cette île est estimée à un nounours, hein, et peut-être un pédobien. Qui est le papa de ce nounours? Ok, Lucas, ferme ta gueule. Ah! Putain, ça m'a fait peur. Et c'est ça qui a fait crasher le jeu tout à l'heure. Bah, go back to close. Mais putain! Ah, voilà. Ok, très bien. J'ai trouvé une sorte de livre. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de caché dans ces fougères? Hein? Des œufs de Pâques? Allez, on y va! Alors, où est-ce qu'ils sont? Repose-le! Repose. Tu reposes ce livre. Ah! Voilà, c'est bon. What the fuck? What the fuck? Il y a un bruit. What the fuck is that shit? Oh mon dieu! C'est monsieur Nutella! Regardez, il est tout marron. Monsieur. What the fuck? Teddy. Teddy, il y a un monstre qui nous suit. Allez, viens. Viens avec papa. Viens avec papa. Ah, tu veux pas venir avec papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Teddy! Il a une hache, Teddy! Teddy! Teddy, il va te couper la tête! Ah! Putain, il a son cachot sur son front, Teddy! Ah, what the fuck? Bordel, bon, pour récapituler, un homme avec une hache et son casson sur le front qui mangeait beaucoup de Nutella nous a attaqué. Tout va bien. Bordel, bon, déjà, on sait qu'on ne peut pas compter... Il me surprendra à chaque fois, ce putain d'oiseau. À chaque fois, là, il passe comme ça. Ouais. On ne peut pas compter sur Teddy. Teddy, il n'en a rien à foutre. Teddy, il se fait juste chauffer les mains au feu en mode. C'est trop bon. Est-ce que si maintenant... Ah, maintenant, je vais mettre Teddy, il va y avoir du brouillard. Est-ce que ça a changé la donne? Peut-être. Peut-être. Allez, Teddy, vite, mets du brouillard. Allez, Teddy. Il s'en bat les steaks, Teddy. Il va nous couper la gueule. Ah. Cours, Teddy. Il va faire quoi? Il va tuer le... What the fuck is that shit? Il me surprendra à chaque fois lui, putain. F-Q-B, motherfucker! Lockhead, très bien. Est-ce qu'il faut que je reprenne ce livre? Ok, on va tenter de reprendre le livre et de lui lancer un sortilège des gens. Ça va être très, très émotionnel. Alors, ok, très bien. Mais pose le livre! Mais pose le putain! Ok, je m'en fous, je pars avec le livre. Je pars avec le livre. What the fuck is that fucking shit? Oh, je crois qu'on s'est pris un coup de hache. Est-ce que quelqu'un a vu l'effet assez surprenant finalement qu'il y avait à l'écran? Ouh! Oh, sérieusement, il faudrait vraiment... Vraiment, vraiment, que je trouve, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait une histoire de bottes là. Bordel, il y avait bien un caillou avec marqué un truc, avec marqué boots. Très bien, les choses disparaissent comme ça dans ce jeu, sans problème. On va faire un petit tour de carte, voir s'il n'y a pas les choses que je n'ai pas vues. Ok les gens, j'ai trouvé un plan de secours. On va utiliser cette palette pour faire un radeau et s'enfuir vers... What the fuck, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que je vais pouvoir lire le livre en portant le Teddy? Hein, ça je me demande. D'ailleurs ce Teddy ne s'est pas présenté, présente-toi. C'est bon, il a reposé le livre, l'autre devrait me poursuivre. Voilà, c'est bon, l'autre me poursuit. Ok, ok. Qu'est-ce que je dois faire? Ah.
Il est là, il est pas content avec ça. Bordel de cul. Il faut savoir que là, je suis en train de courir en vrai avec mon personnage, hein, donc c'est une drôle manière de courir, sachant qu'il court à 2 km/h. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Ok, je sais pas où il est. On va aller poser le Teddy. On va poser le Teddy sur son petit fauteuil bien au chaud là, hein. Il a plus. Mais lui, il est posé. Il a le bon rôle dans l'histoire, quoi, cet homme. On le met au bord du feu, on lui fait des petites caresses. Ah, gousi. Il lui faut lui rendre. Si je suis sûr qu'il y a une question de boots, il y a marqué boots. Ok, quelqu'un a des moon boots ici? Non, c'est pas grave. J'ai des chaussures dans. What the fuck? Qu'est-ce qui. Très bien, ok. Il y a juste une espèce d'esprit. Peut-être l'esprit du Nutella, je ne sais pas. J'avais raison, Dino. Allez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tiens, les chaussures. Tiens, je veux bien lui donner les boots, mais il va me tuer. Comment je lui donne des boots? Tiens, j'ai tes chaussures. Tiens, tes chaussures, prends-les. What the fuck? What? Oh, l'imposteur, il a déjà des chaussures. Oh putain, c'est un imposteur. Il nous a. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me tourne autour là? Qu'est-ce que je dois faire? Mais prends tes pompes, mon gars. C'est bon, on lui a donné les boots. Wouh! C'est la fête. Donc lui, il donne l'indication du chemin par notre Teddy. T'es qu'un imposteur. Moi, je te mets au bord du feu comme ça, tranquillement. Et toi? Toi, t'en as rien à foutre. Bon, lui a donné ses chaussures, hein. Au moins, et comme ça, il a 2 paires de chaussures. S'il veut marcher, s'il veut faire un marathon, c'est comme il veut, il peut, tout est permis. Loken, mais non, mais c'est une blague, là. Il a même pas écrit un petit message sur le rocher. Putain, Teddy, tu te déconnes. Bordel de merde, je pensais qu'on était super potes tous les deux. Hein. Va, meurs. D'ailleurs, je lui ai donné ses boots. Que voulez. Oh. Oh, mon Dieu, j'ai trouvé une clé. Merci, Teddy. Par contre, je te brûlais comme dans le feu après, hein. Mais merci. Super sympa. Pour fêter ça, nous nous mouchons. Hop, unlocked. Yeah. What the fuck is that? Putain de bordel. Bon, l'isolation de cette maison est plutôt moyenne. À mon avis, c'est par là qu'il faut aller. Yeah, Vivian Maryland. Ok, bon, j'espère que l'homme au boots ne va pas revenir nous attaquer. C'est pas qu'il s'est amusé à me tourner autour la dernière fois que je l'ai rencontré. Mais ces techniques d'approche plutôt bizarres dont il m'a fait part. Monsieur, voulez-vous du nut... qu'est-ce que... Alors là... Alors déjà, cet homme a le nombril le plus bizarre du monde. On dirait une sorte de bouton en interrupteur, quoi. Qu'est-ce que veut cette espèce de gros morceau de... Bon, on va retourner voir Teddy. Allez, salut, bonne vacances dans l'eau, en position fœtale. J'espère que c'est peut-être le géant de tout à l'heure, en fait, finalement. Il s'est juste mis tout nu, quoi, en position fœtale. Mais ça arrive, moi aussi, des fois, je me mets tout nu en position fœtale. Quoi? Bon, what the fuck? Faut que t'arrêtes d'apparaître comme ça. Vraiment, faut que t'arrêtes. S'il te plaît. Ok, c'est celle de tout à l'heure qu'on a vu aller vers la palette. Alors, on va aller vers la palette. Hein, en passant faire une petite danse avec Teddy, évidemment, vu que c'est notre ami dans cette aventure incroyable. What? Teddy a disparu? Teddy? Teddy Snexic? SOS, personne m'entend? Bon, j'aime bien les arbres, l'herbe et tout ça, mais bon, quand je trouve ce qu'ils vont. Ah, the fuck is that? Putain de fucking. Bon, bah voilà, les gens, je suis désolé. Pas pour cette coiffure, mais parce que j'ai pas réussi à trouver la suite, hein. Enfin, je suis désolé aussi pour cette coiffure. J'ai juste pas trouvé ce qu'il fallait faire par la suite. Bon, ça arrive, voilà. Et là, vous allez être 1 million à me dire, mais fallait faire comme ça, t'es trop une merde. Et je vais me sentir bien bête parce que vous aurez raison. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Garry's Mod. Parce que là, bon, quand je n'aurai plus le nez bouché, ce sera un peu mieux. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Restez comme vous êtes parce que vous êtes top. Et aujourd'hui, on va faire un check du coude. Allez, check du coude. Et. D'ailleurs, faites du bruit. Et le sourire derrière, petit. Ok, on va partir sur un coup de chaise. Pas vraiment. C'est juste pour la porter en fait. Hey, t'as vu, j'ai une chaise, pas toi. Je pèse. Et voilà, le combat des hommes les plus.